Et bonjour à tous, tout le monde, on se retrouve pour ce 18e épisode, je pense, du mode carrière avec Milan. Dernier épisode, on avait fait les matchs contre de 8e de finale de Ligue des Champions contre Madrid. On avait fait 2-2 le premier match et puis le match retour, on a fait 1-0, donc on s'est qualifié. On ne sait toujours pas contre qui on est tombé en quart, donc on va attendre un peu, peut-être après ce match-ci, on le saura. On est au niveau du classement 3e avec un match de retard. Et si on gagne ce match-ci contre l'Inter, on va monter à 59 points. Donc on aura 2 points de retard seulement sur le premier. Donc c'est cool. Par contre, si on perd, on restera à 5 points de retard. Alors, ce qui est un peu chaud, alors cet épisode-ci, on va essayer de faire les 3 matchs. Je verrai ça pendant l'épisode parce qu'il est tard là. J'ai des choses à faire. Donc si je fais les 3 matchs, ça va prendre du temps. Mais voilà, ça dépend, on verra bien, on verra bien. Peut-être que je ferai, peut-être que oui, peut-être que non. On est parti en tout cas contre ce premier, dans ce premier match contre l'Inter. Derby, hein, les gars, gros derby face à l'Inter. Le premier, on avait gagné, je pense, mais de tout peu. Voilà, donc là, on va jouer, on va rejouer ce derby. Par contre, là, il y a Hulk qui est quand même un peu mort, hein, on va pas se mentir. Ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est mettre Silva. Un peu. Et ici, Castillejo, on va le remplacer par Souso et le mettre carrément en réserve pour le laisser se reposer un peu. Caldara aussi qui est... Oh, merde. En vrai, ils sont tous fatigués. Hein. Ce qu'on va faire lorsqu'on va mettre Zapata. Sinon, ouais, on peut mettre Laxalt ici. Kessié, sinon le reste... ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va partir sur un délire comme ça. Je pense que... On est bien. Voilà, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va tranquille. On essaye, hein, on essaye de mener la vie comme on peut. Voilà, moi, ces derniers temps, c'est pas ça. Mais voilà, niveau. En fait, le truc, c'est que j'ai trop de trucs à faire ces derniers temps. Ça me casse les couilles. J'ai l'impression d'avoir une vie de merde, tu vois, d'être tout le temps occupé à faire des trucs. Donc voilà, c'est parti en tout cas. On arrive déjà, je pense, à la moitié de cette carrière au moins. Hein, parce qu'on est déjà dans une carrière, il y a combien de matchs de championnat? On a 38. Ouais, vu qu'il y a 20 équipes. Il y a 38 matchs, là on est à 26 matchs, 27 matchs joués. Donc ouais, même plus de la moitié. Hein. Encore une dizaine de matchs, on a fini en tout cas le championnat. Mais après, sans compter les autres matchs à côté, comme Ligue des Champions par exemple. Ou comme les matchs de Coupe d'Italie, etc. Donc voilà, on a encore, je pense, pas mal de matchs. On a encore peut-être une vingtaine de matchs à faire. Ce qui représente quand même pas mal d'épisodes. Donc voilà, c'est parti. Le derby contre l'Inter. On va essayer de se donner à fond. Ok, Souso. 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 Le centre de Souso. Putain, mais qu'est-ce qu'il rate? Non, mec. Silva, tu déconnes. Attention Silva, attention Silva si ça continue, mon gars. Tu vas vite descendre sur le banc. Hein. Oh non, putain, Icardi solo face au gardien. Merde, le penalty. Merde, 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 merde. J'ai voulu tacler. Oh, j'ai voulu tacler pour toucher le ballon, mais il a été trop tard. Oh, putain, les gars, je me mets dans la merde, mais tout seul, hein. Je me mets dans la merde, mais tout seul, je suis sûr, sa frappe, il l'aurait raté. J'en suis sûr et certain. Putain, casse les couilles. Hein. Voilà, et là, il y a pénalty d'office. Hein. Icardi face à Donnarumma. Rien n'est fait, les gars. Rien n'est fait. On y croit. Yes, c'est l'arrêt de Donnarumma. Tiens. Vous n'allez pas me baiser comme ça. Vous n'allez pas me baiser comme ça. En plus, les 3 points, là, il faut qu'on les prenne. Hein. Parce que l'Inter, là, ils sont devant nous. Hein. L'Inter, ils sont devant nous, donc c'est important. Et Ribéry sur le flanc gauche. Le passement de jambe. Il revient. Le centre. Il n'y a personne. Putain de merde. La frappe de Biglia. Et l'arrêt d'Ananovic. Il est chaud ce match, les gars. Il est chaud. Là, allez. Putain. Souza qui cherche le point de penalty. En profondeur, oui, bien vu. Higuaín, attention, ça peut faire Allez Silva, mais c'est quoi cette frappe, mec? mal. Eh, Silva, tu me déçois dans ce match-ci, mais... Le coach est pas très content, hein, mon pote. Tu te réveilles, là. Hein. La
pluie qui a fait son apparition. Ok, la bonne passe. La petite feinte. Classique. Le centre et rien du tout. Oh là là, les gars, c'est chaud. On est en train de gérer là, mais. Ils défendent bien ces ordures. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. André Silva. Offensive des Rossoneri. Wow, Silva, enfin tu fais une bonne frappe, mec. Enfin, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on attend de toi. Souza qui cherche le point de penalty, le dégagement pour éloigner le danger. Cristian Zapata. Lorenzi. Gonzalo Higuain. Allez, Higuain, mais allez. Bon, gardien. Et c'est la mi-temps, les gars. C'est la merde, hein. C'est un peu la merde. Point positif, c'est qu'on a su arrêter le penalty. Heureusement, parce que si on l'aurait pas chopé, regardez les gars, mi-temps 0-0. Hein. Et les occasions, j'en ai quelques-unes, mais j'y arrive pas. En plus, le gardien Danovic, il est trop chaud dans le jeu. Regardez, 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 Perisic. Putain, ouf. Récupéré par la défense qui ne sait pas trop quoi faire. Ok, Francky, t'es parti. Francky, t'es parti. Regarde le petit centre. Et putain, de nouveau. On force, les gars. On est en train de forcer. Petit à petit, on va le rentrer dans le cul. Hein, t'inquiète. Hein. Petit à petit, on va le rentrer dans le fion. Peut-être. Non! Ouh, c'était. Ah, putain, j'allais le dire. C'était hors jeu, normalement. Ok, très bien. On assiste à la sortie de Keita Baldé. Oh, c'est bien donné en profondeur. La merde, la merde. Ok, heureusement. Heureusement, il a foutu la merde. J'ai fait quelques changements. On va faire confiance à la jeunesse qui va monter. En espérant qu'il y ait quelque chose là. Putain, au moins un goal. Hein. Au moins un petit zéro, ce serait bien. Les joueurs du Milan à l'attaque. Attention, le centre. Allez, putain! Ouh, c'est bien joué ça. Laxalt. Yes! C'est Laxalt qui met le goal! Putain! C'est certainement le goal de la victoire, les gars. C'est certainement le goal de la victoire. Laxalt qui vient de monter. Heureusement que j'ai dit on va faire confiance à la jeunesse. Et bien voilà. Enfin, la jeunesse n'est pas si jeune que ça, mais voilà. Il est monté, le sang frais et la bonne passe surtout de... Je sais pas c'est qui a mis la passe là, mais elle était magnifique. Entre tous les joueurs, regardez. Paf, la bonne passe. Je retrouve devant le goal. Et paf, la petite frappe croisée. Parfait les gars, merci Laxalt, tu nous sauves. Tu nous mets les 3 points là sur un plateau en espérant qu'on va pas se faire égaliser. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est défense de ultra défensif. Hein. Ultra défensif directos, mon gars. C'est ce qui avait été prédit avant le coup d'envoi, de toute façon. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Abdoulaye Doucouré passe directement à l'adversaire. Allez, les gars, on est presque à la fin. 85e, on tient le coup. Ils sont en train de nous presser de dingue là. Non, 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 non. Ok. Thierry Bakayoko. On est parti. On va essayer de garder le ballon maximum là. On joue les putes, mais il faut. Un match important comme ça, les gars. Faut pas déconner. Et pas. Allez, Silva. Mec, tu. Là, c'est limite, hein. Allez! La tête de Coutronné, putain. Le ballon sera en corner. Nouveau corner donc. Qui allez, et on a dégagé pour écarter le danger. Ok, très bien, parfait les gars. Le 1-0, mais c'est la victoire en plus. Derby important. On remonte dans le classement. Je pense que là on dépasse. Je pense pas qu'on dépasse. Non, on dépasse pas. On reste 3ème, mais on colle au cul de l'Inter et de la Juve. Hein, clairement, la Juve qui ont gagné 2-0 contre Genoa. Donc c'est une mauvaise nouvelle ça pour nous. Ah, mais bon, c'est pas grave. Au moins on a gagné aussi. On est monté. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors le prochain match c'est contre qui là? J'aime pas faire attention. Contre l'Atalanta encore. On a reçu un mail, match décalé. Ok.
Alors, calendrier. Ouh, c'est un match de coupe, ça. Coupe d'Italie, les gars. Et puis, on joue contre la Sampdoria. Ok. Très bien. Et ben, on va entamer directement ce match contre la Samp. Contre l'Atalanta, pardon. Il n'y a pas d'entraînement à faire, là. Ah ouais, il y a les tirages au sort, là, pour la Ligue des Champions. Là. Heureusement, le petit truc, il m'a rappelé. On va regarder le classement. Alors ça, c'est les demi-finales hein, de la Coupe d'Italie. Heureusement, on est tombé contre l'Atalanta. Donc, quoi qu'il arrive, en finale, ça sera un gros match si on gagne. Ce sera Juve-Milan ou Inter-Milan, si on gagne, bien entendu. Hein. Attendez. Non, merde. Qu'est-ce que je fais, putain. Hein. Je vais essayer de voir, d'aller voir en Ligue des Champions. Là, on est contre qui, là? Alors, championnat, on est toujours troisième. Avec un match de... Ah, yes! Ah ouais, l'Inter, ils ont perdu. Donc, on peut les rattraper. Si on gagne le prochain match, on dépasse l'Inter, les gars. Si on gagne le prochain match, on dépasse l'Inter. On aura 62. Et on n'aura qu'un point de retard hein, sur la Juve. Non, mais j'ai encore... Fais chier, fais chier, fais chier. Ça, on passe, ça, on passe. Ça c'est l'Europa League. Alors, il y a eu qui en quart, là? Il y a Arsenal, Besiktas, Naples, Real... Betis Real, Chelsea contre Leipzig et Celtic contre Lazio. Ok, c'est pas des quarts de finale de ouf. Hein. Ok, on va regarder maintenant la Ligue des Champions, les gars. Surprise, OL contre Atlético. Non. Oh, on s'est tapé le PSG. Putain. Ils étaient dans notre groupe déjà à la base, le PSG. Hein. Je pense, hein. Putain, on s'est tapé le PSG, Atlético contre l'OL, Benfica contre Monaco, Inter contre City. Franchement, il n'y a pas de gros match. Hein. Les deux seuls gros matchs, c'est Inter City et PSG Milan. Les deux autres matchs, là, c'est pas ouf. Par contre, les gars, voilà, en phase de groupe, on était avec le PSG. Et ils nous ont baisé une fois. On les a baisés une fois, je pense. C'est ça, hein. Ouais, ils nous ont battu après 2-1. Oh là là, PSG, ça va être dur ça. Ça va être dur ça, les gars. Tout est contre nous hein, pour cette Ligue des Champions. Hein. Tout est contre nous, les gars. Alors, on a des mails, conférence de presse. Les journalistes se sont rassemblés dans la salle de presse. Dis-moi si tu veux assister à la conférence de presse. Ok. Bon, bah, ce qu'on va faire alors, c'est les petits entraînements. La base des bases. Hein. Les petits entraînements. Alors, Igwe, non, on va mettre Coutronnet, allez, hop, c'est parti. On va mettre Silva. Silva, il a du potentiel, mais là, il m'a déçu, hein. Dernièrement, je vais pas vous mentir. Ailier. Allez, le vide qui traîne là à monter. Hein. Milieu, on va mettre Kessié, bien entendu. Kessié, c'est quand même la base. On va rajouter qui d'autre? Romagnoli, allez. Le pilier de la défense. Et qui ça, on peut mettre Kurzawa, allez. Toujours pas à 80, lui, putain. Allez, on va mettre ça. Simuler. A, B, C. Putain, juste Kurzawa qui a mal fait ses devoirs, là. Non, les autres, ils ont bien géré, hein. Très bien. J'ai jamais eu de A, enfin 5A quoi. Je pense que c'est un peu impossible de faire 5A. Bon, on est parti, hein. Le match contre l'Atalanta, match de demi-finale, les gars. Joueur appelé en sélection. Ah ouais, j'ai quand même pas mal de joueurs de l'équipe qui sont appelés en sélection, truc de fou, hein. Ok. Je sais pas, ça sera pour quand, mais j'espère que c'est pas pour ce match-ci. Hein. Ok, on est parti. On va jouer en blanc. Ouais, on va jouer en blanc. Gestion d'équipe. Alors, tout le monde est en forme, très bien. Juste Gundogan qui est un peu fatigué, mais on le remplacera par la suite. Et bah, écoutez, les gars, j'ai envie de mettre Calabria un peu. Voilà, écoutez, les gars, bon, on est parti. On est parti, on est parti. Alors pour ce match-là, je vais laisser. J'allais mettre Reina, mais non, je vais laisser Donnarumma. C'est quand même un match important.
Ils estiment que dans les matchs importants, il faut laisser nos meilleurs joueurs. Donc on est parti, jouer match. Match de demi, hein. Demi-finale. Je pense que c'est dans nos objectifs de gagner cette coupe, à mon avis. J'ai pas regardé, mais on regardera après. C'est quoi nos objectifs? Ah ouais, ce truc-là qui est super chaud. Regardez, putain. Truc super chaud, hein, cet entraînement. Hein. Mais il est stylé quand même. Ah putain. Ouais, mais là, faut pas rêver, hein, les gars, vous allez trop vite. Mais mec, ça, comment ça se fait que tu l'as pas eu celle-là? Oh non, mais je déconne là. Oh. Non, c'est trop chaud. Mais j'aime bien, hein, il est stylé cet entraînement avec le gardien, mais c'est quand même trop chaud. On est parti. J'ai décidé, je vais faire que deux épisodes dans ce match-ci. Hein, faire que deux épisodes. Ça va pas mal. Et le prochain, je vous promets que j'en ferai trois. Promis, promis, juré, craché. J'en ferai trois. J'en ferai trois. Et je pense qu'il y aura même un épisode où j'en ferai quatre, carrément. J'ai réfléchi à ça et je pense qu'un épisode où je ferai quatre matchs. Ça va me casser les couilles au montage, tout ça, mais il faut que j'avance dans cette série. Je sais qu'il y a des gens qui font aussi des modes carrière, des youtubeurs qui font aussi des modes carrière. Mais. Et qui ne font pas. Et qui font genre un match par épisode, mais qui coupent beaucoup moins, etc. Moi, j'estime que ce que je vous coupe, c'est juste parfait parce que je ne vais pas vous laisser des séquences où il n'y a rien. Tu vois, ça n'a pas de sens en fait. Donc j'essaie voilà, de vous mettre les séquences où il y a eu des actions dangereuses, ou bien où j'ai marqué, où j'ai encaissé. Voilà, je mets les séquences importantes, quoi. J'estime que c'est ce qu'il faut faire. Mais voilà, j'ai vu certaines vidéos de youtubeurs qui laissent carrément presque tout le match, etc. Chose que moi je ne ferais pas. Ou qui font un ou deux matchs par épisode. Voilà. Moi je ferais comme ça, de toute façon, voilà. C'est pas bien grave, hein. Chacun fait comme il veut, mais voilà. Moi je vais faire comme ça. J'estime que c'est mieux de faire comme ça. Et j'estime que la méthode que je fais, genre des fois 3 matchs, des fois 2 matchs, je trouve que c'est stylé aussi. Parce que si je fais tout le temps 3 matchs, ça va être saoulant pour moi. De ouf, je vous raconte même pas. Ça va être stylé pour vous, vu qu'il y aura plus de matchs, plus de trucs à regarder. Mais pour moi, ça va être saoulant et ça va vite me faire chier. Tandis que là, par exemple, 2-3, 2 épisodes, 2-3. Ouh, c'est dangereux ça. 2-3 épisodes, je fais 2 matchs. Et puis un épisode où je fais 3 matchs. Puis 2 épisodes où je fais 2 matchs. Puis un épisode où je fais 3 matchs. Pour moi, c'est mieux. Non, éliminé! Là pour l'instant on est éliminé de la coupe les gars. Oh putain, en corner, en corner. Merde, là il faut qu'on se donne à fond, là il faut qu'on se réveille. Donc je disais, pour moi c'est mieux comme ça. Ça permet un peu de temporiser le truc, genre des fois où c'est chiant. Bon, par exemple quand je monte un épisode ou 3 matchs, c'est très très chiant. Après celui-là d'après, bon je monte deux matchs, ça va, c'est chiant mais c'est moins chiant que... Allez, putain. Mais sinon voilà, en gros c'est ça, donc c'est mieux pour vous, c'est mieux pour moi en tout cas de faire comme ça. Et je pense que vous, ça vous dérange pas non plus qu'il y ait des épisodes avec deux matchs. Donc voilà. En tout cas là on est un peu dans la merde, hein, les gars, on va pas se mentir. Si on se prend un deuxième goal. Non! Putain! C'est quoi ce merdier? C'est quoi ce merdier? Les gars, on est dans un de ces merdiers. Ils nous mettent la presse, hein. Ces ordures, hein. On va vite les réveiller. Alors, on va leur donner deux gifles là. Les gars, on peut pas se faire éliminer là. C'est inconcevable. Il faut que je gagne ce titre là. J'ai aucun titre là cette saison. Putain, les gars, non! Yes! Tiens! Tiens ton corner, fils de... Tiens! Allez, gamin! Faut pas... Faut me respecter. Il faut... J'exige le respect, bordel. Putain, quel goal de Higuain là. La bonne tête, bien placée. Tu vois, des matchs comme ça, je suis très content de marquer. Je vous ai dit, je suis de plus en plus chaud en corner. Hein. Je suis de plus en plus chaud en corner. Tiens, tu me marques en corner et bah je te rends pareil. Je te rends là pareil. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Bon, un les gars, c'est pas le moment non plus de baisser les bras, hein, de dire ok, c'est bon. Ok, Franck Ribéry. Franck Ribéry. Le passement de jambe, la virgule, le petit centre. Ouh, mais là, pff, allez, mec, t'as tué trois oiseaux en haut, là.
Merci. Braconnier. Castillero le braconnier. Ouais, non, là c'était vraiment loin de. Loin d'inquiéter le gardien, hein, clairement. Allez, il est passé, Higuain. Mais non! La frappe! Oh putain! Ah, c'était chaud ça. Et c'est la mi-temps en même temps, les gars. 1-1, tendu, tendu. C'est Tandax là, c'est Tandax. Bah, j'espère que tout va bien se passer, les gars. Parce que là, c'est. C'est moyen, moyen. Hein. Franchement, de ma part, là, c'est. Ils me font quand même des petites frayeurs, des fois. Mais ça va, on est déjà mieux qu'au début. Surpris par cette première période qui a été jouée à fond les ballons, comme on dit. Ça va être quand même super difficile de tenir. Dans la dernière demi-heure de cette partie. La frappe de Gundogan. On les met sous la pression là, les gars. On les lâche pas. Hein. Un petit peu le feu. Le long de la ligne de touche. Eh. Je sais pas comment il l'a fait. En tout cas, il l'a fait. Du coup, tout reste possible. Elle était bien possible. Non. Ouh, putain, c'était limite. Hein. S'il l'avait là, les gars, ça allait faire mal. Hein. Hulk. Allez, Hulk, t'es parti, Hulk. T'es parti. Ribéry qui demande, qui reçoit. La frappe du gauche de Ribéry. Ta mère, Francky. Putain. Oh là là, c'était une occasion en or, ça. Fait chier. L'occasion peut-être de prendre les commandes dans cette rencontre. Oh non. Il a tiré sur la ligne, le fils de pute. Oh putain de merde. Je l'ai vu dedans, tête de ma mère, je l'ai vu dedans. Putain. Il a plus de jus. Franck Ribéry. Allez. Non, mais non. Putain, elle était belle la passe. Ah là là, les gars, ça sent les prolongations. Là, non. Allez, un deuxième goal sur corner, ça serait le top. Allez. Ouais, donne de l'air à son équipe. Calabria. Castillero avec un tir. Wow, magnifique! Magnifique la frappe de Franck Ribéry du gauche. Placé dans le goal. Et POO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 
Donc, bah écoutez, les gars, voilà, on va terminer ici. Prochain épisode, les gars, on fera 3 matchs promis. Donc, ce sera le match contre la Samp, et puis le match contre Udinese et un match contre la Juve, les gars. Hein. Donc, prochain épisode, gros match contre la Juve. Gros match. C'est nos rivaux. Hein. En plus, ils sont premiers, donc ça sera l'occasion pour nous d'essayer de les baiser. Et puis, l'épisode juste d'après, il y aura ben, du PSG. Hein. Du PSG, regardez les équipes qu'on va se taper. Hein. Juve, juste après. PSG, juste après. Lazio, juste après Juve. Franchement, 4 matchs d'affilée qui seront chauds. Mais on va essayer de gérer tout ça. En tout cas, voilà les gars, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, un commentaire. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. On est à plus ou moins plus de la moitié de la série. Donc la série qui arrive tout doucement vers la fin. Au niveau du championnat, il nous reste 11 matchs à faire. Plus les éventuels autres matchs de coupe, de Ligue des Champions, etc. En tout cas, voilà. Bon, peut-être qu'il nous reste, je sais pas moi. Je vais compter ici, je vous coupe et je vous dis quoi tantôt. Ou bien. Alors, selon le calendrier, il nous reste 14 matchs. Mais sans compter, par exemple, si on va en finale de la Coupe d'Italie, ben, il y aura un match qui va se rajouter en plus. Si on se qualifie pour les demi de la Ligue des Champions, on aura 2 matchs en plus. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste 16, 17 matchs, 18 matchs maximum. Donc, voilà, vous calculez ça plus ou moins par épisode. Il nous reste donc, on va dire, pas 7, 8 épisodes plus ou moins. Voilà, donc c'est. On touche la fin de la série petit à petit. Voilà, en tout cas, merci à tous les gars. N'hésitez pas à vous abonner, c'était Lucas Certé. Ciao les gens!